Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo concernant un policier qui est en train de vraiment racketter et il est dans affaire de corruption parce que là, c'est très grave. Merci mon frère, tu as eu le temps et tu as pris ton temps aussi de filmer la scène. C'est vraiment honteux. C'est honteux, c'est honteux. Et tout ça là, c'est pour encore, c'est pour dire, non, le gouvernement travaille mal, etc., etc. Mais ça là, ça existe, et ça existe toujours depuis longtemps. C'est là. Les présidents, de combien de présidents qui ont passé là, tout ça là, c'était là. Mais franchement, c'est aujourd'hui de parler à nos parents qui sont dans le corps. Qui sont dans le corps, franchement, ne gâtez pas votre image. Regardons bien la vidéo. Tous les taxis qui dorment, je file une somme de 500 francs. Je te laisse partir. Je n'ai même pas le temps de contrôler leurs documents et tout ça. Il n'a même pas contrôlé ses documents. Il n'a même pas contrôlé les documents. Ils ont profité l'argent. Ça, c'est la vie de Saint-Pétrole. Il a donné monnaie. Et la monnaie n'est pas encore finie. Voilà. Vous voyez? Ça, bon, bref. La famille, vous avez vu la vidéo. Ça fait vraiment très mal de voir nos parents et de voir un policier qui a une uniforme. Et qui a passé son concours, il a eu dignement. Est-ce que c'est joli à voir en train de filmer, en train de se cacher et tu arrêtes des voitures, tu arrêtes des pauvres gens qui sont à travailler. Or, ton droit, c'est faire quoi? C'est pour voir si vraiment il est en règle. Mais toi, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est uniquement l'argent. Tu arrêtes une voiture, le gars envoie les papiers. Il sait très bien que tu ne vas pas contrôler les papiers. Il met l'argent près de la carte, les papiers de la carte grise. Il dépose ça. Tu prends l'argent. Tu ne regardes même pas les papiers. Souvent, tu fais semblant de prendre les papiers et tu regardes. Souvent, dans les papiers, on peut mettre l'argent dedans. Tu commences à feuilleter et tu prends. Dès que tu prends l'argent, tu fais un petit tour. Est-ce que ça va se jouer à voir? Souvent, les corridors frontiers, tout ça, là, ça existe. Mais pourquoi vous faites ça même? Vous avez oublié, vous avez eu votre beau boulot. Vous avez eu vos concours. On ne vous a pas enlevé à la maison pour dire non que oui, il y a mon frère Tichoum ici, là. Il va rentrer, on va lui mettre dans le truc, il va sous formation. Non, tu as saigné, tu as étudié. Tu as eu concours, tu as eu ton concours de police. Mais tu sors là, mais qu'est-ce qui se passe? Une fois que si toi en Afrique, dès que tu sors, même tu sors dans le corps en même temps, c'est fini. Tu finis sur ta formation là, c'est les maîtresses. Tu finis les maîtresses seulement. Après les maîtresses, mais tu sors dehors là même là. Vous racketez seulement. Quelqu'un qui a été faire son commerce, il est en train de chercher son gagne-pain. Tu l'arrêtes, tu prends l'argent. Comment ils vont vous respecter? Comment les soutiens vont vous respecter? Partout, vous racketez. Ou ce n'est pas le moment de racketter, vous allez racketter là. Comment ils vont vous respecter?
Allez, ça là, vous êtes là pour nous dire que oui, c'est nous, on vous surveille. Hein. Quand vous dormez là, c'est nous, on vous surveille. Hein. Tout ça, c'est ça, on appelle surveillance, quoi. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça là, c'est pour accuser le gouvernement pour dire non que oui, le gouvernement ne travaille pas. C'est pour cela que l'armée ou des corps à pied fout le bordel dans la rue. La nuit, où il n'y a pas raf là, vous faites raf là-bas. Souvent même là, vous faites patrouille comme ça, hein, pas raf, hein, mais vous allez arrêter les gens. Parce que vous avez besoin d'argent. Ou soit, il y a ta copine qui t'a demandé l'argent. Pour dire demain, là, il y a besoin de 10 000, il y a besoin de 20 000. Tu es obligé d'arrêter les gens dans la rue, la nuit. Pour dire oui, c'est raf. Parce que tu veux aller satisfaire ta copine. Pourquoi vous faites ça même? Oh, vous êtes marié. Vous avez laissé vos enfants et vos femmes à la maison là-bas. Donc, contentez-vous de votre salaire. Mais vous, c'est pas ça. Mes frères et sœurs, si vous voyez des gens qui ne sont pas honnêtes et qui sont là pour racketter, qui sont dans le désordre même de ce pays-là, filmer et puis balancer sur le net, nous, on va décortiquer ça. Partout, même partout en Afrique, si vous voyez des trucs comme ça, filmez, cachez-vous, vous allez filmer. Et puis, filmez les visages. Toi, mais tu ne te filmes pas. Tu filmes le gars, tu raquettes là. Tu filmes, tu mets son visage et puis tu balances. Il ne peut pas savoir que c'est toi qui as balancé. Si quelqu'un a le temps, tu fais ça. Mais si tu n'as pas connexion, tu peux filmer dans ton téléphone et puis tu gardes. Le jour où tu as connexion là, tu mets sur Facebook et puis tu balances. Vous comprenez? Excusez-moi. Tu balances. Dès que tu balances, lui-même, il va voir. Si vous avez eu le temps, même plus de 10 policiers, même 15 policiers, même 20 policiers, dans 2 ans ou 1 an, là, tu vas voir, il y a les gens qui vont arrêter de faire les conneries des raquettes. Là. Ils vont arrêter parce que ça, là, quand ils vont mettre la main sur eux, là, soit c'est pour les enlever dans leur pour dire, il faut arrêter. Et c'est fini pour toi. 1, 2, 3, 4, 5, 10 là. Tu vas voir que non. Il y a des gens qui vont ils vont arrêter les différents coloris. Il y a quoi? Une fois que vous êtes encore habillé, c'est fini. Hein? C'est fini. Vous faites là. Vous faites coloris même. C'est quoi ça même? Tu passes ici, c'est corps habillé. Tu passes ici, oui, l'argent. Donc, pour vous là, c'est l'argent. Hein? Pour vous, c'est l'argent. Raquette, vous êtes dedans. Même frontière, vous êtes là-bas. Trafic, vous êtes là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme ça, il faut être un grand dealer. Il faut être un grand dealer. Là, au moins, on sait que oui, toi, c'est l'argent, tu es dans ta tête. Mais tu es venu, tu dis que c'est pour nous sauver. C'est pour nous, c'est pour protéger la population. Mais c'est toi qui dépouilles encore la population. Vous êtes là pour dépouiller la population. Comment la population va être à l'aise? Comment ils vont vous respecter aussi? Comment ils vont respecter les policiers? Ceux qui raquettent. Ils ne peuvent pas généraliser tout le monde. Mais on dit que c'est 1 ou 2, 3, 4 qui font qu'on généralise tout le monde. Pourquoi vous faites ça? Mes frères et sœurs, si vous voyez des trucs comme ça, filmez puis balancez sur le net. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont arrêter de faire ça. C'est pas bon. Vous gâtez vous-même vos propres noms. Vous gâtez vous-même vos propres noms. C'est pour cela que d'autres, même quand ils vous voient la même, eux vous détestent en même temps. Que lui, là, c'est quoi? Quoi, la pièce, quoi, même? Eux sont là pour mendier seulement. Ta dignité est partie. C'est parti. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Tu as eu ton concours. Tu as juré que tu vas vraiment servir ton pays. Veiller sur la population. Mais c'est toi qui raquettes la population encore. C'est quoi? Souvent les vendeuses même des temps, vous partez les raqueter la nuit pour dire on surveille le coin. Pourquoi vous faites ça? Souvent les gars des maquis, les gars des bas aussi. Vous partez les voir, vous défilez, souvent vous arrêtez devant les baous, devant les maquis, au moins quelques 10 minutes, 15 minutes comme ça.
et vous partez. Après, vous revenez. Ça, c'est quoi ça? Donc, vous êtes des vigiles ou bien. On voit ça en Côte d'Ivoire. Comment on va vous respecter? Tu as grouillé, tu as grouillé, tu as grouillé. Tu as eu ton concours. Tu as eu ton concours là, c'est l'argent qui est dans ta tête. À part l'argent, il n'y a rien. Avant, d'autres filles, quand ils voyaient un corps habillé comme ça, elles étaient contentes. Ah, maman, je suis heureuse d'avoir un gars qui est dans l'armée, un policier, ou un gendarme, ou un militaire, un douanier, ou un gars de haute forêt, ou un marin. Elles sont fières. Mais maintenant, là, c'est plus ça. Quand elle met pour dire que mon mari est policier, dès qu'elle dit mon mari est policier, elle dit oh, faut laisser le policier, mais tu n'es pas fidèle. Là. Elle est découragée. Parce qu'on sait que la raquette que vous faites là, c'est pour aller nourrir d'autres filles, Théo, les petites filles. Pourquoi vous faites ça? Une fois que tu es dans l'armée, tu n'es plus fidèle. Surtout en Afrique, c'est en Afrique qu'on voit. Parce que tu as le pouvoir de rentrer partout. Avec le titre que tu as là. Mais avec le titre que tu as, il y a d'autres métités qui te vraiment. Qui te détestent même parce que tu. Ah, vraiment, ça énerve. Parce que quand ils voient des trucs comme ça, nos parents sont dedans là, ça fait mal. Nos cousins, nos cousines, eux tous sont dans l'armée. Quand tu vois ça, ça fait très mal. Et puis, là, c'est pas un jeune, c'est un vieux. Il tend vers la retraite. Donc, où il est là, où il était jeune, là, il ne s'est pas organisé. Hein. C'est maintenant où il reste 5 ans. Là. C'est là qu'il veut s'organiser pour dire qu'il est déjà trop tard. C'est pour cela, quand tu rentres dans l'armée, ton premier rappel, dès qu'on te donne, c'est à toi de réfléchir. Et si tu as raté une fois, deux fois, c'est fini. Toi, tu es mort comme ça. Les rappels qu'on vous donne là, c'est quoi? C'est les millions. Même si tu as pris crédit pour aller passer le concours, mais tu peux rembourser. Tu rembourses. Le reste maintenant, c'est pour toi. Mais pour vous, c'est pas ça. Vous remboursez même souvent, même tu prends crédit, même les dettes, et puis tu t'en passes le concours. Tu vas racketter jusqu'à ta mort. Parce que Dieu, là-bas, elles sont nombreuses. C'est qui c'est qui a la maison à Tine? Jamais ça. Tu veux aller Théo. C'est Dieu, vous partez ramasser les maladies, vous partez ramasser les coloris, vous envoyez ça à votre femme. Et après, la belle famille accuse la pauvre femme. Pourquoi vous faites ça? Ou quand on vous dit non, que oui, le corps habillé n'est pas fidèle, là, ça vous plaît beaucoup. Pourquoi vous faites ça? Je vais m'arrêter là, parce que mon cœur me fait mal. Ça me fait très mal de voir tout ces conneries. Après, c'est pour accuser le gouvernement. Ça, là, ça existait depuis le temps de vous fouiller. Et puis, on est dedans. Depuis qu'on va quitter dedans. Tellement que le corps à Dieu se cache pour faire ça. Quand on vous arrête et puis on vous dit non, on garde vos travail là. Tu ne travailles plus là. Ça, c'est pour dire non, que oui. C'est qu'il a même caissé même là. Que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Mais c'est vous, mais vous ne respectez pas. Nous, on ne peut pas vous respecter. Vos raves bêtes là, quand même. C'est pas comme ça. À cause de vos copines que vous nourrissez dehors là, on ne peut plus respirer en Côte d'Ivoire. Tu fais petit commerce ici là. Policier est là. Gendarme est là. Pour te racketter. Tu fais ça. Ils sont là. La nuit, mais tu es en train de marcher. Voyez le problème, tu es là. On t'attrape, on dit papier. Tu n'as pas. Toi, mais dans ton propre pays encore, tu demandes papier. Tu dis, il n'y a pas papier là. Ils vont te prendre. Vous, il faut donner l'argent ou on va te laisser. Tu ne donnes pas l'argent là. C'est que c'est au plateau, tu vas aller dormir. Matin, toi-même là. Tu sais comment tu as fait, tu as te retourné. Pourquoi vous faites ça? À cause de l'argent. Ou soit ta copine t'a demandé l'argent dehors là. C'est pour cela que tu as mélangé la vie de l'autre. Ah, ce que vous faites là, c'est pas bon. Hein. Je vous laisse là. Là, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma chaîne, sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, TikTok, Instagram, je suis là-bas, vous pouvez me trouver partout. Merci beaucoup.